Ah ben, le compost au jardin, c'est génial. On va gérer les déchets sans être obligé de les emmener à la déchetterie, faire des allers-retours, sans les charger dans la poubelle qui coûte une fortune. Non, vraiment, le compost, il n'y a rien à dire à part que ça se passe dans le jardin, même quand il pleut, comme aujourd'hui. Et comment on fait pour faire son compostage de surface? Eh bien, il faut des composteurs pleins, c'est mieux. Une biofourche et une rotogriffe, ça aide. Et puis, une brouette pour trimballer tout ça. Petit rappel, pour avoir un compost équilibré, il faut moitié de déchets verts humides et moitié de déchets bruns secs. Et quand le temps est trop sec, eh bien, vous pouvez l'humidifier. Au bout de 3 à 6 mois, votre compost est mûr. Vous pouvez l'utiliser et le plus facile, c'est le compostage de surface. Mais avant cela, vous devez aérer votre sol avec une biofourche et votre rotogriffe. Étalez votre compost sur toutes les parcelles de terre vierge. Il va se décomposer encore et apporter des nutriments à votre terre. Et en plus, le sol ne restera pas nu de l'hiver. Il existe aussi une autre façon, encore plus directe. Ben, vous étalez vos déchets de cuisine directement en place au jardin. C'est vrai que c'est surprenant, moins glamour, mais c'est tout aussi efficace. Ben, du coup, la poubelle, elle sert plus à rien, qu'est-ce que je vais en faire, hein? Ah ben si, je vais l'amener au match. Ah oui, je vais l'amener au match avec moi. Allez, 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 allez.